lance mon premier vidéo sur God of War. J'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo. Alors, je me suis installé le jeu. Nouvelle partie, j'ai jamais joué. Histoire, expérience équilibrée, défi. Bah, histoire. J'ai fait quelques vidéos dessus par contre. Avant quand il venait de sortir un jeu. Je crois qu'on va couper le bois. Alors appuyez sur R1 pour donner un coup avec la hache Léviathan. Putain, ça se voit le génère. Ah, c'est bien. Je sais pas comment tu t'appelles, mais c'est bien, c'est bien. J'en ai trouvé. Ça c'est son fils, je crois. Je crois son fils, il a un arc. Atreus, son fils. Okay. Par contre, ça, il est beau notre perso. Hein. Pas trop bouger la caméra. Peut-être apprendre pour la bouger. Peut-être apprendre pour bouger mieux la caméra. Atreus. Ça suffira. Le voyage des âmes remarquées descend dans la rivière. Non, on peut toujours pas beaucoup bouger la caméra. Père ? Quoi ? Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Pas courir. Ça y est, un peu toutes les touches hein, pour l'instant. Je peux pas tourner mon personnage comme ça.
c'était le dernier. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Elle est prête. Ils vont la brûler. Je suis désolée. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as bien chassé? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Il a vraiment dit on t'a appris à chasser ? Mais si c'est son fils, il doit savoir. C'est peut-être la sorte de lui en fait. Et ça, c'est son neveu du coup. Je pense que c'est son fils. Hein. Où ça? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Les armes ont marqué chasser avec Atreus. Père. Ah, voilà. Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Ouais, son père. Ça dépendra de toi. Allez. C'est son fils. Ça me stresse, sa marque là sur la ligne, elle est pas au milieu du crâne. Elle part un peu sur le côté.
stress. Qu'as-tu trouvé? Des traces, mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. Pour regarder autour de vous, pour accéder aux paramètres de caméra. Ouais, c'est quoi tout ça? Oh putain, encore un truc où il y a plein de trucs. Encore un truc où il y a plein de trucs. Codex. C'est quoi ça? Magnétif. Carte. Compétence. Lors d'un sprint pour effectuer une attaque sautée. Ouais, pas trop sautée attaque. Ok. Attends, on va appuyer sur R2 pour sauter par quelques salles avec sur certains extrêmes propulsion les ennemis devant vous. R2. Ok. Orage partiel, appuyez sur R1 pour porter un violent coup de poing à un ennemi. Ouais. C'est ce qu'elle touche. R2. R2? Mais R2, c'est déjà ça. Ah, c'est le temps courant. Ok. L'armure. Ah, il y a le petit, je peux pas avoir le petit. Que talisman, l'arme, les talismans. Ça, la poignée. Ok. Comment je cours? Oui, mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula. Et maintenant? Bah, on saute. Par ici, Atreus. Hop. Oh. Attends, les traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici. Un truc. J'ai trouvé. Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Ah oui, carrément. Dans le champ. Bien tout explorer. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser? Écarte-toi. Et lâche. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah ouais. Il a cristal le marteau de temps ou quoi? Le voilà. C'est peut-être le Stormbreaker. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant il va se méfier. Tu ne tires. Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Voilà. Trouve-le.
Bon, après, c'est qu'un gosse, hein. Trouve-le. Retour à terre. Bon, je suis retombé 25 et demi. Ok. Est-ce que je peux foutre des coups de bouclier? Non. C'est mettre un coup le bâtard. J'adore le mode de combat. Les drogards, ils s'aventurent pas si près de nos voies d'habitude. Bah là y a pas de drogue. Merde, disait que les drogards étaient des guerriers morts dont l'âme était trop déchaînée pour cesser le combat. L'on repousse les Valkyries qui viennent les chercher et ramènent leur propre corps à la vie. En se battant ainsi, ils se transforment en autre chose. Ils ne sont alors plus que l'ombre d'eux-mêmes et combattent tous ceux qu'ils croisent. Elle disait aussi qu'ils pouvaient prendre différentes formes ou tailles et que certains avaient même des pouvoirs que d'autres n'avaient pas. Avance. J'aime bien le mode de combat. On bat les couilles. Ok. Je peux pas courir. Pas besoin de gueuler. Ils avaient juste faim. Quoi? Les loups, ils faisaient rien. Loup enragé. J'ai toujours admiré les loups, mais ceux que nous croisons nous attaquent à vue. Ils doivent avoir la rage. J'imagine que pour eux, nous sommes de la nourriture. Tu veux être tué, mais ils sont beaux quelque part et tu es mort un peu triste. J'espère que père ne verra jamais ça. C'est le petit qui dit ça. Oui, c'était sûrement ça. Il n'en a plus l'utilité. Nous aussi. C'est jamais, hein. Attention à ne pas tomber. Je peux pas viser le gosse.
sait jamais, hein. Nous, on vient d'ici. On vient d'ici, nous. Bon, on vient d'ici. Faut aller tout droit. Faut explorer tout. Tu crois qu'on a le droit d'être là? Ça doit être très important l'argent. Hein. Pomme dite d'une légendaire. Vous avez collecté une des trois pommes d'une nécessaire à l'augmentation de votre santé maximale. C'est un peu comme une pomme gold. Pomme dite d'une. Les pommes d'une sont la nourriture privilégiée des dieux. En total, 9 pommes sont cachées dans le monde dans des coffres scellés magiquement. Dès que vous en collectez 3, votre santé maximale augmente. Pas mal. Non, je peux pas. Là-haut. Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Voilà. Ta mère est morte. Non, nous, c'est le daron qui dirige. C'est le père. Regarde. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. Avec ma hache, moi je peux perso. On devrait se rapprocher. Voilà. Putain, il est plus là. Est-ce que je peux directement? Non. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Ouais, des monstres. Il doit y avoir des regards. Et pas des drogués. Merde. Le juge de santé des ennemis. En combat, la juge de santé des ennemis apparaît au-dessus de sont visés par Kratos. N'inquiète pas, papa se démontre rien de seul. Pas besoin de ton aide. Oh non! On va d'abord voir. Ils étaient ici, je sais pas par où faut passer. Tu veux me dire, il peut pas passer par là.
honnête avec ça. Ok. On va d'abord visiter là. Parce que j'ai peur que je passe là-bas. Je peux pas revenir. Ça m'a l'air d'être ça. C'est un coffre ça. Quoi, je l'ai loupé. Ok, c'est bon. Mais vous avez vu, il se désintègre. Quoi, mais il est pas mort. Je m'attendais presque à trouver un troll sous ce pont. Tu n'es pas prêt pour les trolls, mon garçon. Oh non. Les loups chassent en meute essaient d'encercler leur proie. Père doit faire en sorte de la maintenir face à lui et me laisser attirer leur attention. Les drogars manient des armes mortelles, mais ils ne les maîtrisent pas, contrairement à Père et sa hache. En les observant, il est facile d'esquiver et de parer leur attaque. Oui. En coup de. Enfin, on va lancer une hache. Je sens quand même les objets. Que de la thune. Tu me fais venir ici. Atreus, avec moi. Bon, maintenant, comment? Pas un truc avec ça, non. La vie va falloir bloquer. Même dans l'autre sens. Ah. Tu l'as figé. Pas bête. Heureusement qu'il est en haut, hein. L'argent. Oh, c'est ouvert. Où est-ce que tu vas? Je crois qu'il est parti par là. Oui, bah, faut le découvrir, mon gars. Oh shit. Non, c'est bloqué. Ok, ouais. Oh, regarde, c'est Scoliati, les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent? Comment ils sont arrivés là-haut? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Ils dévorent le soleil et la lune et après ça, tout le monde se bat. Faut que je le dise.
Légion, les cinéas, des fresques retraçantes des événements de leur histoire. J'adorais la légende que murmure à côté, je me demande combien il en existe. Oh, beaucoup, beaucoup petit. Loup géant. Intéressant tout ça. Compte pas courir. Que faire ça? Bon, c'est pas haut, on peut sauter. Hein. C'est chiant qu'on peut pas courir, je sais, on peut. Peut-être on verra plus tard. À mon avis, pour qu'on gagne autant d'argent et tout, c'est qu'après on va en avoir grave besoin. Hein. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vie de ton esprit. Détends ton bras et inspire. Expire et lâche la corde. Solide sur tes appuis. Ne bouge pas. Putain, faut appuyer sur carré pour tirer. Bien. La fois abrégé ses souffrances. Encore en vie. Là, logiquement, on va lui planter un couteau ou la hache dans la gorge, je crois. Ton couteau. Parce que je connais les trucs. Non. Finis ce que tu as commencé. Il est beau pour qu'on dessert. J'y arrive pas. Si, vas-y, t'aurais dû. Oh putain, un ogre. Est-ce que c'est un ogre? Un ogre? C'est quoi? Un géant? C'est un géant. On va vraiment le combattre? On n'a pas le choix. Ah, c'est un troll. Flèche d'Atreus. Pardonnez à Atreus de tirer des flèches. Pour viser un ennemi spécifique, les ennemis touchés par des flèches interrompent leur attaque. Le nombre de flèches qu'Atreus peut tirer est indiqué en bas à droite. Il peut tirer les flèches. Et du temps. Tire. Ah. Bien, hein. Ça marche pas très bien hein, le truc des flèches.
contrôle. Bien fait pour toi, Atreus. Tu crois que j'ai eu peur de toi? Oui. Il est mort à la cousine. J'ai peur de personne. Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus, regarde-moi. Je crois que vous visez les trucs jaunes là, hein, pour que ça interrompt. Tu n'es pas prêt. Quoi? Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait une preuve. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Je suis prêt. Je ne veux plus t'entendre. S'il bouge pas. Ah, j'essaye plusieurs trucs, ok. Ok, c'est bon. Le truc qu'on a vu là-bas, c'est pas... Étourdir les ennemis. La jauge d'étourdissement des ennemis se situe sous leur jauge de santé. La rouge. Lancer une série d'attaques répétées contre l'ennemi peut infliger des dégâts d'étourdissement qui permettront à la jauge de se remplir. Quand elle est pleine, l'ennemi est étourdi. Les flèches, les attaques à main nue infligent des dégâts d'étourdissement supplémentaires. Kratos peut passer en mode main nue en lançant la hache ou la réunion en appuyant. Vas-y, vas-y, viens, viens. Vas-y, viens, viens là, toi. Étreinte de la mort. Lorsque vos ennemis sont étendus, clignotent en rouge, procédez à finir d'apprendre le gars. Épreuve du feu. Qu'est-ce? Ennemi enflammé, tué en 115, tuez vos ennemis alors qu'ils brûlent. On va mettre un de ses couches, quoi. Silence. Ah ouais, non. À mon avis, il doit avoir un pouvoir. Foncez la hache. Ah ouais, là. Non mais pas sur moi, sur le gars. Allez, viens là.
perte des pillards. Vous rencontrez ces guerriers corrompus en explorant les terres que vous traversez, les bestiaires vous attirent comme les vaincres. Les pillards. J'ai bien dit que la forêt était différente. Et je t'ai dit de te taire. Dis bon, là t'abuses un peu. Bestiaire mise à jour. Quelle est cette chose? On aurait dit des pillards, mais sa voix était étrange. Même père ne sait pas. C'était plus des hommes glacés, mon copain. On va jusqu'à la maison et après on s'arrête ici. Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqué? Je ne sais pas. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. Là, c'est un peu courir. Ça doit être profond. Ouais, un peu. Est-ce que je peux? Non. Ouais, non. Ça doit être dur, leur signe. Le truc il a son bras. Il avait pas ça avant aussi. Bon voilà, on va s'arrêter ici, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et on se dit à la prochaine, ciao ciao.